Bonjour à tous, donc c'est Thibaut et Anthony. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle séance aux côtés d'été indien pour la prise en charge des seniors. Une petite séance sur la mobilité articulaire en incluant un petit peu de renforcement musculaire. On va essayer d'avoir un autre raisonnement par rapport à la semaine dernière, un autre mode d'effectuer la séance. On vous expliquera ça au mieux durant cette séance. Alors avant de commencer la séance, on va vous rappeler les gestes barrières, donc surtout se moucher dans un mouchoir à usage unique. Bien se laver les mains, surtout, tousser ou éternuer dans son coude, respecter les distances de sécurité d'un mètre entre chaque personne, et puis éviter vraiment de sortir le moins souvent possible. Donc pour aujourd'hui, on va essayer de changer un petit peu de matériel. La semaine dernière, c'était plus papier toilette. Cette semaine, on va essayer de prendre simplement soit des bouteilles d'eau, soit des boîtes de conserve. On fait pas de pub, on va rapidement, et on va s'installer derrière avec le matériel, et Anthony aura besoin d'un balai. Et d'une chaise. Alors une chaise avec ou sans accoudoir, peu importe. L'idéal c'est avec et surtout un dossier. Un grand dossier pour pouvoir s'appuyer dessus. On fera une petite variante aussi avec un tabouret pour ceux qui n'auraient pas de chaise ou qui auraient simplement un tabouret à disposition. Donc on fera une petite variante avec le tabouret également. Pour commencer, on va commencer avec l'échauffement. Donc là on va commencer tout doucement avec la nuque. Comme la semaine dernière, un petit peu. Toujours de l'articulaire. On va venir faire des petites rotations. On imagine que son nez, c'est un crayon. On essaye de dessiner le plus grand cercle possible. Alors, respire bien. On vous répétera toujours, comme la semaine dernière, de respirer correctement en fonction des mouvements qu'on propose. Ici, la respiration, elle est toujours la même. On enchaîne avec les petites rotation dans un sens, dans l'autre, tranquillement. Voilà, très bien, c'est pas mal. On va enchaîner avec les épaules. Donc pour les épaules, on va vous demander de venir mettre les mains sur les épaules et de venir faire des petits cercles avec les coudes. Et ces cercles-là, on va progressivement les augmenter, les rendre plus grands. L'idée sur cet exercice, c'est d'aller chercher loin devant avec les coudes et loin derrière pour que ça chauffe dans le haut du dos et déverrouiller tranquillement les épaules. Et on va sortir au niveau des omoplates. Et ça commence à travailler. Faites-le bien dans les deux sens, hein. En avant, en arrière. Allez, on fait le plus grand mouvement possible. Ceux pour qui ça va, on peut essayer d'accélérer un petit peu. On respire calmement. On va venir tendre les bras un petit peu sur les côtés. Puis là, dans le même esprit, on va faire des grands cercles avec les mains. Donc Thibaut se met le profil pour que vous voyez bien un petit peu ce que ça rend. Donc fait des grands cercles pour bien chauffer les épaules. Et progressivement, je vais accélérer le mouvement. Et puis je vais venir faire des tout petits cercles. Très rapides, tout petits, tout petits. On maintient bien les bras tendus. Attention, je garde les bras tendus, je souffle bien. Allez, petit, allez, on maintient. Allez, encore plus vite. Allez, 10, 9, 8, 7, 6. Allez, courage. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Normalement, ça doit déjà bien chauffer, Thibaut. Ça chauffe, ça chauffe. Relâchez tranquillement les bras. Ça va très vite récupérer. Mais le fait que ça chauffe, n'ayez pas peur. C'est uniquement musculaire. C'est vos muscles qui travaillent. C'est pas des douleurs, anormales. Exactement. On va enchaîner un petit peu avec le dos. Donc avec le dos, on va venir écarter les pieds, largeur des épaules, voire un petit peu plus. Et puis ce qu'on va vous demander de faire, c'est qu'avec votre main gauche par exemple, vous allez venir toucher au moins le genou droit, voire un petit peu plus bas. Si vous pouvez toucher la cheville, on va toucher la cheville. Pour faire ça, on garde bien sûr les jambes bien tendues. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours la main et le pied opposés, hein. On essaye de bien souffler sur la descente et d'inspirer en remontant. On bloque au-dessus et on part de l'autre côté. Et comme a dit Anthony, chacun en fonction de ses niveaux de souplesse. Vous verrez qu'Anthony est plus souple que moi, il peut aller toucher son pied. Moi, je m'arrête à la cheville. Si on a des moins souples que moi, vous remontez au tibia. Et si on est encore un petit peu moins souple, on peut aller uniquement toucher le genou. Chacun en fonction de ses capacités. Allez, encore 4 ou 5. 1. Chacun à votre rythme. 2. 3. Soufflez bien. 4.
Ok, c'est pas mal. On relâche tranquillement les jambes. Comme la semaine dernière, vous marchez tranquillement sur place pour relâcher un petit peu les tensions qu'on y effectue au niveau musculaire. Et on enchaîne sur l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, on reprend la même posture, les pieds largeur des épaules à peu près, légèrement tournés vers l'extérieur. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement glisser mes mains d'un côté et de l'autre. Mon bassin ne bouge pas, normalement je ne dois pas me pencher vers l'avant. Petit peu, on va se mettre de profil pour vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, il ne se penche pas du tout en avant, on vient simplement glisser le long des jambes. Il y a un petit mouvement de bassin, ce qui peut accompagner. On essaye de garder la tête dans l'alignement de la colonne et on ne cherche pas à aller trop bas. Au niveau du genou, c'est suffisant et on garde bien les deux jambes tendues. On souffle sur le côté en inspirant, en remontant. Allez, encore une petite dizaine. Allez, courage. Jusqu'à présent. Normalement, on est ok. On termine gentiment l'échauffement. On va garder les pieds écartés de la même façon. Et cette fois, alors je prends un peu de recul parce qu'on va élever les bras. On va prendre les deux mains, les doigts, les mains dans les mains. Et on va monter pour se grandir au maximum. On regarde vers le haut. Comme ça, on termine un petit peu sur la nuque. Et on redescend en soufflant. En gardant les genoux tendus, en allant vers le bas le plus bas possible. Et une fois qu'on est à son maximum, surtout on ne plie pas les genoux. On respire tranquillement. On va sentir l'étirement dans le bas du dos ou dans l'arrière des cuisses. On remonte tout doucement vertèbre par vertèbre en terminant par la nuque. Et on remonte les bras bien haut une deuxième fois. On va faire ça 3-4 fois. Allez, on grandit au maximum. On va regarder en haut. On inspire et on souffle. Longtemps, 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 longtemps jusqu'à être en bas. Et une fois en bas, on maintient en respirant calmement. Allez, on remonte une deuxième fois, vertèbre par vertèbre, redressez-vous tranquillement, on finit par la tête en haut. Allez, grande inspiration et longue, on bloque la respiration et on souffle sur la redescente. Sans plier les genoux toujours. Ça va tirer soit dans le bas du dos, soit dans l'arrière des cuisses. Tout dépend de votre souplesse et de votre forme respective. Et on remonte tout doucement en position de départ, en terminant par la tête. Et on relâche. On va continuer un petit peu avec les mollets. Allez, on va au mollet. Donc là, pour l'échauffement, hein, moi je mets un petit peu de profil pour vous faire voir. Le pied et largeur de l'épaule, toujours. Et puis là, tout simplement, on va venir monter et descendre. Voilà, alors on ne cesse pas tomber hein, pour éviter de faire remonter la vibration dans la colonne. Alors on monte vraiment jusqu'en haut. Toujours le chevilles qui craque. Pas plus jeune que la semaine dernière. Hein. Donc tout doucement, ceux qui sont les plus à l'aise, on peut essayer de monter un petit peu le rythme et on repose quasiment plus les talons. On essaye de garder l'équilibre, on fixe un point devant, on respire, on souffle en montant, on inspire en descendant. Et on monte bien le plus haut possible. Allez, encore un petit peu. Ceux qui veulent complexifier un petit peu la chose, on va venir, tac, resserrer les pieds, soit complètement, soit un petit peu, comme vous le sentez. Pour ceux qui ont un bon équilibre, on a les deux pieds quasi collés. Allez, on continue. Là, ça chauffe dans les mollets. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. Marchez gentiment sur place comme on fait habituellement. Et on va enchaîner ensuite. On va vous expliquer la façon dont on va effectuer les exercices aujourd'hui. Donc là, c'est tout bon pour l'échauffement. Vous pouvez préparer, si ce n'est pas encore fait, les petites boîtes de conserve. Tout votre petit matériel. La chaise. Et on aura besoin. Il y aura une variante au sol. Encore une fois, on sait qu'il y en a qui ont des tapis. Donc je vous montrerai un des exercices que va vous proposer Anthony, une variante au sol. Et on aura juste besoin d'un mur à proximité pour faire un exercice. On vous montrera. Il faudra s'appuyer dessus avec les mains. Si vous avez un meuble qui est relativement haut, à peu près à hauteur de votre poitrine ou de votre allié jusqu'au nombril, pas plus,
Vous pourrez vous en servir aussi, on vous montrera comment effectuer. Donc on va commencer l'exercice. Donc là l'idée c'est de faire 5 ou 6 exercices différents. Tous les faire une fois et après on les répète encore deux fois. Donc en tout on fait 3 tours complets de chaque exercice. On ne les fait pas à la suite, bien sûr, on les fait individuellement à chaque fois. On fait 6 exercices, une pause, on refait les 6 exercices, une pause, et on refait une troisième fois les 6 exercices. Ça s'appelle un petit circuit training. Voilà. En sollicitant différents groupes musculaires, et on commence avec le premier exercice. Alors, premier exercice, on va revenir sur les mollets par lesquels on a terminé. Je vais vous demander de vous tenir à la chaise, au dossier de la chaise, comme ceci. L'idée, c'est de se mettre sur un seul pied, de venir monter le plus haut possible, avec un seul pied. Vous voyez, là, je monte sur mon mollet, je n'ai qu'un seul pied en appui. Je reste bien droit et l'idée, c'est qu'on en fasse 15 comme ça. Et pour nous, ceux qui ont un meilleur équilibre, on essaye de lever une jambe, pas d'appui au niveau des mains, on peut s'équilibrer si vous voulez au niveau des bras et on fait l'exercice sur une jambe, on monte, on redescend. C'est plus difficile au niveau de l'équilibre, donc il faut déjà bien maîtriser. N'hésitez pas, même si vous voulez juste mettre un doigt sur un mur ou un meuble, c'est entièrement possible. Et on essaye de garder l'équilibre du mieux possible. Donc... Vous avez déjà commencé ? Tant pis, on commence seulement à compter. Allez, 1, 2, on en fait 15. C'est pas gentil. 3, 4, ça va bien chauffer normalement. 5, on va au moins jusque 10. 6, 7, pour ceux qui peuvent, on va jusque 15. 9, 10, 11. Les bras dans le dos si vous êtes très très 12, à l'aise au niveau de l'équilibre. 13, 14 et 15. Et on relâche. Pareil, petit piétinement, parce que normalement ça doit déjà bien chauffer. Là on sent bien dans le mollet normalement. Hein. Ouais, exactement. Et on enchaîne aussitôt avec l'autre pied. Je témoigne. Allez, on y va, c'est parti. Alors on se concentre. 1, hein. 2. Essayez de fixer un point devant pour 3, ceux qui ont un peu plus de mal au niveau d'équilibre. 4, ça aide à. 5. À maintenir. 6, 7, 8, 9, 10. On peut s'arrêter là pour ceux qui veulent. 11, 12, 13. Allez, on souffle bien longtemps. 14, et on relâche. Soufflez bien. Pareil, piétinement, on marche un petit peu sur place. Ça, c'était pour le premier exercice qui sollicitait, vous l'aurez compris, les mollets. Et on va enchaîner sur le second. On essaye de varier les groupes musculaires, c'est-à-dire que là, on vient de faire les mollets. On ne va pas réenchaîner directement sur un exercice qui sollicite les mollets, sinon c'est un coup à pas venir toute la semaine. Ouais, c'est clair. Une demi-heure, ça va être dur. Alors ensuite, pour le deuxième exercice, quand vous demandez toujours, on se tient comme ceci, à la chaise. Et là, on va venir se mettre sur un pied, on écarte le pied sur le côté, puis on vient monter le genou devant à 90 degrés. On écarte sur le côté, on monte le genou à 90 degrés. Même chose, si l'équilibre est bon, on essaye de réaliser sans appui pour solliciter davantage l'équilibre sur la jambe d'appui et une bonne mobilisation sur la jambe qui est en mouvement. Allez, je commence à compter. 1, 2, on en fait 10 là. 3. Donc on compte 1 à chaque fois qu'on écarte la jambe sur le côté. 5. 6, 7, 8, 9. On plie pas le genou en allant sur le côté. Et 10. Et on relâche gentiment. On se met en place pour enchaîner sur la deuxième jambe. Deuxième jambe. Maintenant, si on se laisse aussi la jambe vers vous. Allez, on y va, c'est pareil. Allez, 2. On essaye de garder bien la pointe du pied. Trois. Vers l'avant, pour bien contracter au niveau du fessier. 5. Et on plie pas le genou. 6. 7. 8. Et le dos bien droit, le bassin bien fixe. On respire bien, on souffle en montant le genou. Et 10. Et en allant sur le côté. Moi, c'est pas faux. Deuxième exercice de réaliser. Ça va? Vous suivez encore? Bon. S'il y en a qui se sentent un peu plus à l'aise que nous, tout ça, vous pouvez enchaîner plus vite. Vous ne vous basez pas sur les répétitions qu'on compte. Vous vous basez sur le fait qu'on dise stop à la fin des 10. Si vous en êtes à 20, tant mieux pour vous.
Et au moins, ça adapte à votre niveau. Et puis dans l'autre sens, pareil, si 10 ça fait un petit peu beaucoup, vous en faites 7 ou 8, c'est pas un problème. Alors, je m'assure parce que non, je suis pas un peu fatigué, on va faire l'exercice un petit peu aussi là. Avec les abdominaux. Ouais, faire traîner un petit peu vos jambes et vos abdos. Comme ceci. Donc si vous n'avez pas de chaise, bon, un tabouret fera l'affaire. Ce sera un petit peu plus difficile pour vous, désolé. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se mettre au bord, attention. Hein. Il n'y a pas tombé non plus. La seule règle, c'est que, comme vous le voyez, il faut bien qu'il y ait au moins 90 degrés au niveau des genoux pour pas que l'exercice soit trop difficile et que ça reste réalisable parce qu'on va faire un petit peu de pédalo. Voilà. Donc là, l'idée pour ceux qui sont sur la chaise, c'est venir prendre appui soit sur les accoudoirs, soit sur l'assise de la chaise et venir incliner le buste légèrement en arrière. Et là, on va simplement faire du pédalage comme ça. Essayez de tendre au maximum les jambes. Et on regarde devant soi, on se concentre bien. Donc ça, c'est la variante la plus difficile. Et pour nous, pour que ça soit un petit peu plus facile, on garde le dos le plus droit possible. On vient monter le genou et on déroule comme si on pédalait. Exactement la même chose, mais avec une seule jambe. On commence tous avec la jambe droite. Donc on tend bien vers l'avant. On ramène en longeant le sol, le dos le plus droit possible. Et on souffle en allant vers l'avant. Et là, on inspire. On souffle en allant vers l'avant et on inspire en revenant vers vous. Allez, soufflez. Donc ceux qui font la variante d'Anthony, c'est un petit peu plus dur, ça sollicite davantage. Nous, on sent au niveau du haut de la cuisse là que ça commence à chauffer également. Donc ouvrez la bouche, respirez bien, prenez de l'air. Allez, 3 encore. 2. 1. Et on relâche, on repose. Ceux qui font l'exercice d'Anthony, ça peut être un petit peu long. Coupez au milieu. Moi, je vais compter jusqu'à 15 au niveau de ma jambe gauche cette fois. Donc coupez quand on en est à 6 ou 7. Vous reprenez à 8 ou 9. Ça permet de faire une petite pause tout en faisant la variante un petit peu plus difficile. Pour ceux qui sont comme moi, on commence avec la deuxième jambe. Et Anthony, vous allez de dos pour continuer. Allez, sur les deux. On prend la même chose. Allez, on y va. Allez, dos droit. Allez, on respire tout par la bouche, on tend bien le genou vers l'avant. On longe le sol en ramenant. Allez, 4, 5, 6. Vous avez la vitesse que vous 7, voulez, hein. Moi je vais assez vite, mais 8, vous pouvez prendre vraiment la vitesse que vous voulez ou aller un petit peu plus vite. À vous de voir. Allez, 12, 13, le dernier, 14, et 15, on relâche. Ça va ? On laisse les jambes tranquilles, on y revient juste après et on passe au bras. Debout. On repasse au bras. Donc pour cette variante là, moi je vais vous montrer un exercice au sol, c'est là où il faut vous munir de vos petites boîtes de conserve. Votre petit cassoulet. Petit cassoulet, sans faire de pub toujours. Et on va les poser, on va les coucher au sol à l'horizontale. Donc moi je reviens là contre le mur. L'idée c'est de placer ses mains un petit peu largeur des épaules, hein, toujours. À hauteur de la poitrine, alors pas plus haut parce que après ça va être difficile, et pas plus bas non plus, vraiment à hauteur de la poitrine. Après si vous avez un meuble qui est un petit peu plus bas, c'est pas très grave, il suffira simplement de se reculer. Je vais vous donner une petite astuce pour gérer l'intensité de l'exercice. Là l'idée c'est de coller son pied contre le mur, de mettre l'autre derrière et on va faire 3 pas comme ceci et on va coller le pied après. Donc. Et 3 pas, je vois qu'on voyait pas avec le canapé parce qu'on est là sur le canapé, c'est pour ça qu'on le laisse volontairement. Là il est parti, la pointe du pied contre le mur, en reculant un pied, puis 2, voilà. Et là on est à la bonne distance. Et là vous venez coller vos mains sur le mur, toujours largeur des épaules, voire un petit peu plus large. Et puis on va simplement descendre tout doucement jusqu'à temps que le coude arrive à 90 degrés. Angle droit, d'accord? Et on revient pousser. Donc on inspire descendant et on pousse. En soufflant montant. Et pour nous, vous allez vous mettre dans la même position que moi, genoux pliés, les pieds à plat au sol, les boîtes de conserve juste derrière vos fesses et on va tac, simplement pousser très fort sur les bras et revenir poser les fesses pour relâcher. Allez, en soufflant montant. Et on inspire sur la descente. Donc là, l'idée c'est pareil, au moins 10, si on peut aller jusqu'à 15, on va jusqu'à 15. Allez, courage. Allez, 1, 2, 3,
4, 5, on souffle bien sur la montée pour tout le monde, 6, 7, 8, 9, 10, allez, pour les plus courageux, on pousse à 15, 11, 12, 13, 14, et 15, on relâche. Là, celui-ci, vous pouvez le faire avec des haltères. Hein. J'ai pas précisé, mais vous pouvez très bien mettre les mains sur les haltères ou avec boîte de conserve ou quelque chose de rigide qui fait entre 5 et 10 cm de haut, pas plus. Et là, on a fait le premier tour. Et maintenant, on va enchaîner un peu plus rapidement ces 6 exercices-là pour solliciter en plus un petit peu le cardio et puis faire monter un petit peu le souffle. On rappelle qu'à chaque fois, basez-vous vraiment sur votre condition, vos capacités à vous. Si vous vous sentez beaucoup trop essoufflé pendant la réalisation d'un exercice, nous, on ne vous voit pas derrière l'écran, donc stoppez de vous-même, récupérez et puis vous repartez après. On va faire travailler un petit peu votre mémoire. C'était quoi le premier exercice? Thibaut, tu te rappelles? Non. Non plus. Dommage. Non, on va quand même le faire. Vous vous rappelez, on était avec la chaise. C'était le mollet. Donc sur une jambe. Voilà, toujours sur une jambe. Encore le poste facile, vous avez vu. Et puis là, on va venir monter sur la pointe du pied et redescendre. Toujours 10 au moins. On monte jusqu'à 15 si on peut. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, soufflez, hein. 11, 12, 13, 14, 15, pardon, puisqu'il y a rien. Moi j'en ai pas fait 15 plus 15. On relâche et on change très vite de jambe, on enchaîne sur la deuxième. Allez, allez, on y va. On souffle en montant. 2, 3, 4. Pour ceux qui sont sur une jambe comme moi sans équilibre au niveau des mains, on peut essayer comme tout à l'heure les mains dans le dos. Un petit peu plus difficile. 9. Et on souffle en montant pour tout le monde. 11. 12. 13. 14. Et on relâche. 15. Et on se met tout de suite dans la position de l'exercice suivant. On enchaîne un petit peu plus vite que tout à l'heure. Je me mets de face en tenue de profil pour que vous voyez bien. Toujours en tenue, l'appui des mains, pas pour moi. Et on y va. 1. 2, donc la pointe du pied toujours bien vers l'avant. 3, 4, 5, 6, soufflez, hein. 7, 8, 9, on plie pas le genou en allant sur le côté. 11, 12, on garde le bassin bien fixe. 13, on va à 15 pour ceux qui peuvent, 14 et 15, on relâche, on souffle un petit coup et on enchaîne dans l'autre, de l'autre jambe, pardon. Donc le pied bien ancré dans le sol, la jambe d'appui, genou bien tendu et allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc ça c'est notre rythme, 8, 9, vous adaptez si c'est un petit peu trop rapide, 11, 12, 13, 14, et 15, on relâche. Soufflez, soufflez, hein. On récupère, et si vous vous souvenez bien, le prochain exercice... C'est repos, non. C'est un petit coup de retour. Donc le dos bien droit pour tout le monde, sur le bord de la chaise. Ceux pour qui c'était vraiment très difficile, faites-le au fond de la chaise comme vous montre Anthony. Le dos est bien droit, c'est un petit peu moins dur. On l'adapte à chacun. On est parti? Allez, on y va. Allez, la jambe droite pour nous. 2. 3. 4. On souffle en allant vers l'avant. 5, 6, 7,
vide. Donc ouvrez grand la bouche, respirez par la bouche, prenez beaucoup d'air. 10, 11, 12, 13. On essaye de jamais reposer le pied. 14 et 15, on relâche. 10-15 secondes de pause pour récupérer gentiment. N'hésitez pas à ouvrir les fenêtres, ça commence à bien chauffer, il fait beau en plus. Et on enchaîne avec la deuxième jambe pour nous et la deuxième série pour vous. Allez, dos vers droit et on est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, on relâche. Allez, relâchez tout ça et on enchaîne avec l'exercice suivant. Donc on passe au bras, on laisse les jambes tranquilles. Pour ceux qui peuvent s'asseoir et se mettre au sol, on se met au sol. Si vous préférez la variante d'Anthony avec les pompes, on va pomper sur le mur. Alors, je vais vous faire voir la variante avec le canapé pour ceux qui trouvaient que c'était un petit peu trop facile. Sur le mur, si vous décalez la caméra, vous voyez là, je suis vraiment beaucoup plus bas, ça se rapproche vraiment des pompes traditionnelles. Toujours, on garde bien l'alignement épaule, bassin, genou, cheville. Tu vas venir tout simplement descendre ici et remonter. Pareil, on en fait 10 ou 15 selon comment on le sent. Vraiment, si t'étais déjà assez dur sur le mur, bah, continuez sur le mur. Hein. Sinon, si vous estimez que c'était trop facile, voilà, vous passez sur le canapé. Et on va enchaîner avec cet exercice. Allez, on est parti. 1, 2, et on souffle tous en montant. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, ceux qui sont au bout, on arrête là, si on en a encore un petit peu, on continue, 12, 13, 14 et 15, on relâche. Allez, faites attention en vous relevant, le dos bien droit et on enchaîne avec le premier exercice par lequel on avait commencé. Et c'était... J'ai pas entendu. Non. Bon. Ah, je sais plus, donc je peux pas t'aider. C'était le mollet. Allez, sur une jambe pour nous. Sur les appuis des mains pour Anthony sur la chaise ou un petit meuble. Et on est parti, c'est le troisième et dernier tour. 1, 2, 3. On va essayer d'accélérer encore un petit peu la cadence par rapport à tout à l'heure. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, on relâche. Passage sur l'autre jambe, on enchaîne, on souffle toujours bien en montant. Allez, 1, 2, 3, main dans le dos. 4 pour ceux qui arrivent, 5 pour les autres, on garde les mains sur le côté, voire un appui comme Anthony sur une chaise ou un meuble. 8, 9 et ça devient un petit peu plus dur, 10, allez, c'est la dernière série. 11, 12, 13, 14 et 15, on relâche. Qu'est-ce que je fais là alors? Là, on monte le genou et on écarte. Allez, on monte le genou et on écarte. Allez, on y va? Allez. Et on écarte. 1, 2, 3. Allez, le dos bien droit, on regarde loin devant. On essaye d'aller un petit peu plus vite. 5, 6, 7. Allez, soufflez. 8, 9. Vu qu'on va plus vite, vous pouvez essayer d'inspirer en montant le genou et de souffler en écartant. 12, 13, 12, 12. Pas trop quand même, je suis fatigué. 13, 14,
Et 15, on relâche. C'est pas mal, allez. On enchaîne avec l'autre jambe. Soufflez bien. Ceux qui ont besoin d'un peu plus de repos, prenez un petit peu plus. Vous nous prendrez en cours de route. Pour les autres, on se met en place. Le pied bien ancré dans le sol. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, main dans le dos, 8, pour ceux qui essayent comme moi debout, enfin debout sur une jambe sans appui, 11, 12, 13, 14, et 15, on relâche. Allez, on respire gentiment et on va reprendre nos chaises ou tabourets. Je vais mettre de face cette fois, on changera un petit peu. Le dos bien droit. Allez, et on est parti, c'est le dernier sur celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Ceux qui font comme Anthony, si vous voulez prendre une pause, maintenant vous pouvez poser un petit peu. Et on repart maintenant. On va prendre une pause. 8. Tu vas enlever 9. 10. Ah, faut que je reprenne apparemment. 11. 12. Non, si vous avez besoin de poser jusqu'à la fin, faites la pause jusqu'au bout. 14. Et 15. On relâche. On se relâche gentiment. On reprend le souffle. Et on est parti pour la deuxième jambe. Allez. 1. 2. Le dos bien droit surtout, si ça devient difficile au niveau de la posture, mettez-vous tout au fond de la chaise. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, courage. Allez, 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 allez. 13, 14 et 15 en relâche. On sent que c'est la troisième série hein, quand même. On reprend gentiment le souffle en se déplaçant vers l'exercice qui sollicite les bras. Soit au sol pour ceux qui font comme moi, soit au mur pour ceux qui ont choisi les pompes d'Anthony. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On laisse pas les fesses claquer fort par terre, on maîtrise la descente. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, on relâche. Voilà. C'est pas trop mal tout ça. Relâchez bien les bras, les jambes. Ceux qui étaient au sol comme moi, on fait attention en se redressant. Le dos droit. Et vous pouvez boire un petit coup. Restez avec nous, on fait juste une petite partie étirement pour terminer, qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble, à quoi ça sert. Je vais les faire tout seul, les étirements, pour qu'on ait un petit peu plus de visuel. C'est quelque chose de calme, un petit retour au calme. On vous laisse boire un petit coup. Et je vous attends pour qu'on se mette gentiment en place. Donc on va en faire deux tout simples. L'idée c'est d'étirer ici les mollets qu'on a pas mal travaillé, toute la chaîne postérieure, l'arrière des cuisses, jusqu'au bas du dos. Ceux qui ont mal au dos, n'ayez pas peur, c'est des exercices que tout le monde peut faire. Je vous montrerai comment adapter les postures pour ceux qui ont des douleurs lombaires. Et puis voilà, on est parti. Donc pour le premier, soit une petite chaise, ça fait l'affaire, soit un mur, comme vous le sentez, un meuble, ce que vous voulez. Et on va poser les deux mains dessus, une jambe devant, fléchit, qui est la jambe gauche pour cette fois-ci. On fléchit la jambe et la jambe arrière, si vous regardez bien, on recule qu'on voit mieux, on va la reculer le plus loin possible. On garde le dos bien droit et là on va enfoncer notre talon arrière dans le sol très fort et vous allez sentir une sensation d'étirement dans le mollet. On tend très fort le genou, on écrase le talon au sol. Et on maintient l'étirement du mollet en respirant tranquillement.
Donc l'idée, c'est de maintenir entre 10 et 20 secondes d'étirement. Le muscle, on l'a beaucoup sollicité. Donc là, il se remet gentiment en place. Vous ne faites surtout pas d'à-coups comme on peut voir à la télé ou autre. Vous maintenez simplement l'étirement gentiment et on va venir changer de jambe. Et ces étirements-là, vous pouvez les refaire si toutefois dans l'après-midi ou demain, vous avez des courbatures. N'hésitez pas à refaire cet étirement-là. Vous forcez bien le genou arrière, tendu, 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 le talon au sol et on sent l'étirement dans le mollet. Et on respire calmement, ça fait un petit temps de retour au calme. Ça limite un petit peu les courbatures, tout comme le fait de bien s'hydrater, de bien boire de l'eau pardon, tout le reste de la journée. On refait la deuxième jambe, le dos bien droit surtout, ça sert à rien de vous plier en quatre, restez le dos bien droit et on sent simplement l'étirement dans le mollet arrière. 10 à 20 secondes. Et on va faire la deuxième jambe une deuxième fois. Donc 2-3 fois par jambe, 10 à 20 secondes en respirant calmement, c'est les seules choses à retenir. Pour ceux qui sont un petit peu plus souples, on fléchit davantage la jambe de devant, on garde le dos bien droit et on va bien écraser le talon arrière vers le sol. Et on relâche doucement. Donc vraiment le tout, ne faites pas des à-coups comme ça, ça sert absolument à rien, un muscle c'est comme un élastique, hein. Si on tire beaucoup dessus, beaucoup, de façon très amplifiée, ça peut éventuellement péter et là ça fait très mal. Donc le but c'est bien sûr de ne pas se faire de mal. Sur le deuxième étirement qu'on va vous montrer, on va reculer les pieds, donc vous les mettez à la largeur de vos épaules et on va les reculer en se mettant loin de la chaise de façon à être comme ceci, les pieds sous les fesses, les bras tendus en appui sur la chaise, vous ne cramponnez pas, vous appuyez simplement dessus. Et là, on va se laisser tomber simplement les fesses très loin vers l'arrière, sans plier les genoux. Il faut justement que ça tire derrière les jambes. Là, moi, je sens l'étirement derrière au niveau des genoux et des ischio-jambiers derrière les cuisses. Ceux qui sont un petit peu plus raides au niveau du bas du dos, qui ont tendance à avoir des douleurs lombaires, vous allez sentir que ça étire aussi toute la partie lombaire. Donc là on relâche correctement, toujours en respirant calmement, tranquillement, profondément. Donc là, pour retourner à la position initiale, une fois qu'on a fait nos 10 à 20 secondes, on y va tout doucement, le dos droit. Et on va repartir pour une deuxième fois. Donc tout doucement, on souffle longtemps. Le regard vers le sol, les cuisses bien relâchées, les doigts de pied bien relâchés. Et là, une fois qu'on sent pardon, l'étirement derrière les jambes et dans le bas du dos, on maintient la position. Allez, on respire bien profondément. Un petit temps de retour au calme, c'est important après une séance comme on vient de le faire. Et on remonte tout doucement. Ceux qui veulent répéter cet étirement, vous êtes libre de le faire autant de fois que vous le voulez. C'est des exercices dont vous pouvez abuser. Au contraire, ça relâche, ça étire. Donc, il n'y a rien de dangereux. Voilà, bah, écoutez, pour cette petite séance qui ne nécessite qu'une chaise et des boîtes de conserve ou des haltères sur quoi s'appuyer, un mur pour les pompes éventuellement. Voilà, vous avez de quoi faire, vous pouvez réaliser cette séance quand vous le voulez, elle est en ligne sur le site de notre partenaire Été Indien et on se retrouve la semaine prochaine dans le cadre de notre partenariat pour une troisième vidéo dont le thème vous sera annoncé dans la semaine. Voilà, on espère que ça vous a plu et à bientôt.